Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Ce soir, avec vous, Jean-Bernard Hébé, Valérie Mérès, Annie Lemoine, Gérard Miller, Stevie Boulet et Perry Cochin. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Juste une seconde, excusez-moi. 420, pardon. C'est le 30... petit gag de Gérard. 34, Laurent. 420 34. Et 34, donc il faut peut-être que... Il parle de QI, là? Oui, de QI. On est obligé de... Vous savez, le CSA oblige d'équilibrer absolument toutes les émissions. Là, on a vraiment... Un... Quelle prétention. Un nombre... Ben non, c'est scientifique. C'est oui, évalué, ben, regarde. Mais ta connerie ben, aussi, ben, elle est scientifique, ben, crois-moi. Passons à la photo du jour. Cette photo, c'est celle de la foule à Rome, venue pour rendre un dernier hommage à Jean-Paul II. 2 millions de personnes ont fait le déplacement. Seulement 1 million pourront rentrer à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre. Même à l'entrée du Queen sur les Champs-Élysées à Paris, on n'avait jamais vu ça, une telle sélection. Dans Le Parisien, on nous dit d'ailleurs qu'il faut parfois 14 heures d'attente pour voir le pape. C'est quand même assez incroyable. 14 heures d'attente et Patrick Peloux qui ne dit rien. Bon, dans François, on nous dit que c'est un peu moins. 12 heures d'attente. On gagne 2 heures grâce à Fosse. C'est quand même fou. Quand on pense que dans la Bible, il est écrit « Les derniers seront les premiers », c'est bien gentil. Mais allez dire au type qui est en tête qu'il faut que vous lui preniez sa place et que lui, là, est derrière, vous allez voir s'il va vous tendre la joue gauche. Franchement. Jean-Bernard. Mais en fait, ça donne raison à André Malraux. Le 20e siècle, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, je veux dire, ce... Cet élan extraordinaire pour la mort de ce pape, c'est à la fois formidable et un petit peu inquiétant. Tout en étant respectueux du pape, on peut quand même s'étonner de cette photo dans François. Regardez, la queue du pape, c'est assez incroyable. Valérie. Alors que c'est débile, parce qu'on dit que, on dit qu'il faut voir l'âme, c'est l'important, c'est l'âme, et là, ils vont voir son corps. Oui. Alors que l'âme, vous avez juste à faire ça, si vous avez un truc, vous la voyez. Hein. L'âme, moi, je la vois, j'ai tous ces 45 tours à l'âme. 45 tours, l'âme. Annie. Moi, j'étais devant ma télévision et je voyais des écrans géants. Et tout le monde s'interrogeait, mais à quoi ça va servir ces écrans géants? Et j'aurais adoré qu'ils nous envoient un petit message, un duplex. Ça y est, je suis arrivée, tout va bien, à bientôt. Enfin... Peut-être qu'un jour, on aura cette possibilité-là, allez savoir. Jean-Bernard. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on va trouver 3 millions de banquiers dans le monde pour venir à l'enterrement de Régnier? Ah ben, il y a moins de monde à l'enterrement de Régnier, sauf si on fait venir les ex de Stéphanie. Oui. Oh. Justement, parlons de cette autre disparition qui a suscité beaucoup d'émotions, celle du prince Régnier. La fin d'une légende, titre Le Parisien. Le boss de Monaco a quitté les affaires, préféré ce matin Libération. La fin d'un règne de 55 ans, comptait Le Figaro. Il a régné durant un demi-siècle, rappelle en fait Luma. Régnier III tire sa révérence, ça c'est dans 20 minutes. Mais que va devenir Monaco, s'inquiète François. Même l'équipe consacre une demi-page au chef d'État. Régnier, le sport pour blâmer. Dans le journal L'Équipe, mais attention, dans le quotidien sportif, c'est surtout le report du match Monaco-Lille remis au 29 avril qui fait réagir le président du club lillois qui n'est pas d'accord avec le report du match. Il dit « Je suis attristé par la mort du prince Régnier, mais moi qui suis français et républicain, je considère que ce n'est pas légal de reporter cette rencontre. Je ne vois pas la relation entre cet événement et le championnat de France de football. C'est quand même pas le championnat de Monaco. Je suis scandalisé. » À Lille, évidemment, il se passerait la même chose. Le plus tard possible, bien sûr, mais le jour où Martine Aubry devrait disparaître, eh bien, j'imagine qu'en hommage, le match serait reporté de 35 heures. Allez, on quitte les papes, les rois, les reines et les princes pour une photo de Nicolas Sarkozy, présent à Nantes hier pour défendre le oui au référendum et accusé de ne pas en faire assez en faveur du oui. Le président de l'UMP a déclaré « Objectivement, je n'ai rien à gagner avec une victoire du non ». Mais il a quand même rappelé qu'en 1969, après l'échec du référendum, De Gaulle avait démissionné. Suivez son regard à Sarkozy. Comme quoi, on pensait que Sarko avait de l'ambition alors qu'il rêve juste d'être Pompidou. Hein. Gérard. Précisons que De Gaulle, à l'époque, avait dit « Si vous ne me suivez pas en votant oui, je démissionnerai », ce que Chirac ne fera évidemment pas. Mais pour fou. Annie. Quand est-ce qu'il se venge, Chirac, alors? Ah, la plus belle vengeance que pourrait faire le président, c'est de nommer Nicolas Sarkozy à Matignon après le référendum. Non, parce qu'il peut refuser.
Pas refuser, refuser. Oh, bien sûr que si. Pas un Premier ministre n'est devenu, en tant que Premier ministre, ensuite président. Aussitôt, en tout cas. Voilà, donc évidemment, il refusera. C'est sûr qu'il refusera. Stevie, un petit mot sur Sarkozy ? Ah, mais moi j'adore ces mecs, qu'est-ce que je peux vous dire ? Ah, voilà. Terrible, tu adores le pape, tu adores Régnier, tu adores Sarkozy. Bah, pas de chance, ils font tous l'actualité. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais je sais. Non, ça, il bouge. On passe à l'ex-France. Le célèbre paquebot, actuellement norouais, qui devrait lever l'ancre pour la Malaisie. C'est en tout cas ce qu'annonce l'armateur norvégien, propriétaire du navire. En fait, il est gros, on voit plus trop son utilité, personne n'en veut et on dit qu'il va finir à la casse. On devrait l'appeler le Raffarin, ce bateau-là, franchement. Une retraite annoncée, celle-là, celle de Franck Esposito, qui n'ira plus à la piscine. Il n'aura plus piscine, même titre 20 minutes ce matin, puisque le nageur français quitte le bassin. C'est ce que dit François Esposito, détenteur du record d'Europe du 200 mètres papillon, sort de l'eau, s'amuse même Libération. Et le journal L'Équipe, évidemment, salue sur une page quasi entière le champion de 34 ans qui faisait quand même 200 mètres en 1 minute 54. Bon, en même temps, on comprend qu'il préfère arrêter. Actuellement, dans Paris, il y a des contractuels qui font le 200 mètres papillon en moins de 50 secondes. Et croyez-moi, elles n'ont pas une tenue à se rendre à Paris Plage. C'est gros ces muscles-là sur la photo, là. Je sens des côtes. On a l'impression, en voyant cette image, qu'il a des bras quasi disproportionnés, la longueur des bras par rapport à mais quelqu'un. Non, c'est parce que tu vois pas ses jambes. On a l'impression qu'il a une faculté à s'étendre en longueur qui expliquerait. Oui, il est nageur en même temps. Voilà, c'est pour ça, mais faut le remarquer. Pareil, même qu'il nage bien dans l'eau, dites donc. Pareil. Bon, c'est pour dire quelque chose. On termine par Lance Armstrong, à nouveau accusé de dopage par son ex-assistant qu'il accuse d'avoir pris de l'androsténine. C'est un tissu d'idiotie diffamatoire fondé sur un chapelet de mensonges à caractère sensationnel, a répondu le 6 fois vainqueur du Tour de France. Je suppose qu'il avait lu cette phrase, mais quand même Armstrong qui dit un tissu d'idiotie diffamatoire fondé sur un chapelet de mensonges à caractère sensationnel, je vais vous dire, moi, pondre une phrase pareille pour un sportif, c'est bien la preuve qu'il doit prendre des stimulants. Nous allons maintenant accueillir, on peut le dire, une vedette du ballon rond, même si lui, il ne joue pas au football, il commente, une idole des vrais amateurs de foot. On peut dire que c'est le Zinedine Zidane du commentaire. Vous pouvez apprécier ses hurlements à chaque match sur une radio bien connue RTL. On le voit aussi animer une émission « Refait le match » sur la chaîne Info LCI. Certains l'appellent « Sacco », en tout cas ceux qui préfèrent la Ligue des champions à leur femme. Ils viennent sortir une autobiographie chez Plon. Le livre s'appelle « Je refais le match ». Accueillons tout de suite Eugène Saccomano. Bonsoir, monsieur Saccomano. Bonsoir. Bienvenue. C'est vrai que vous êtes une véritable star du ballon rond. Je ne sais pas si vos transferts d'une radio ou d'une chaîne télé à une autre valent aussi cher que les transferts des joueurs qui sont sur le terrain. Mais enfin, vous êtes quand même apprécié des téléspectateurs et des auditeurs. Ah, je serais très riche si c'était les mêmes tarifs. Hein. Ah, ça, oui. Je pourrais m'arrêter dès demain, bien que je ne me sois pas arrêté à l'âge de la retraite. C'est ce voilà. que j'allais dire. C'est quand même, pardon hein, de vous dire ça, mais à l'âge de la retraite. Mais d'un seul coup, vous partez à la retraite, vous recommencez sur une autre radio. Et en plus, vous faites de la télé dans une émission qui connaît un vrai succès. Et vous devenez, à plus de 60 ans, une vraie vedette de télévision. Bah oui, c'est peut-être parce que mes nouveaux patrons, celui de la radio, celui de la télévision, ont peut-être su m'apprécier peut-être un peu plus que mes anciens, j'en sais rien, je dis ça comme ça. On va vous regarder un peu dans votre exercice, un extrait de votre émission sur LCI. Écoutez, franchement, personne, on s'en fiche. Mais les gens ne s'en fichent pas. Mais non, ils veulent que l'équipe de France gagne. Mais justement, eh bien, que se passe-t-il autour de l'équipe de France? Vous parlez de ce qui se passe dans mais la oui, cuisine. Mais oui, il y a une chose qui est importante. C'est du journalisme. Mais alors, quand vous êtes comme ça, expliquez-moi, parce que moi, je trouve ça formidable. Quand je vous ai vu débarquer sur LCI et faire ça, il va au casse-pipe le plus total. Il n'est pas du tout fait pour ça, c'est terrible. Il hurle dans le poste, c'est un bordel le plus total, il se parle les uns sur les autres. Ça ne va jamais marcher, je n'aurais pas misé un centime. Vous voyez comme quoi on peut se tromper. Et alors c'est un vrai succès, mais vous jouez la comédie, vous le faites exprès de vous énerver comme ça, de vous emballer, c'est votre marque ou est-ce que c'est vraiment naturel? Non, je pense que d'abord je suis un râleur, je suis un roquet. Dans la vie,
je suis un franchouillard, par exemple, je me dispute dans la rue, je suis pas du tout un bagnolard, je suis anti-bagnole, mais quand un type me fait une queue de poisson, je crie. Donc c'est mon tempérament déjà. Alors il est vrai qu'on se, quand on fait le sommaire de l'émission, on réfléchit un peu à tout cela, et on commence à s'attraper au maquillage. Donc c'est déjà ce qui veut dire déjà qu'on va être chaud. Et quand on enregistre, effectivement, on se bagarre et on se régale. Alors, vous avez écrit cette autobiographie, c'est votre histoire, votre parcours. Annie Lemoine, ça vous a intéressé? Oui, j'adorais. D'abord, je regarde de temps en temps l'émission sur LCI, je trouve ça fascinant. C'est sept garçons qui s'embrochent comme ça, en parlant de football. Comment imaginer la même chose avec les femmes? De quoi devrions-nous parler pour qu'il y ait la même ambiance sur un plateau? De tricot. Des hommes, des non hommes. Ah, des hommes, ça reste à faire. Alors, on refait les hommes, je ne sais pas, vous proposez ça. Je trouve ça génial, vous m'attendrissez beaucoup. Merci. Le livre, un vrai journaliste, un homme passionné par le scoop, la chasse au scoop, il veut être le premier, il veut gagner. Et ça, c'est très touchant, c'est très, très émouvant. Quoi. C'est vraiment... Et moi, il y a un truc dont je veux absolument vous parler, parce que c'est le drame de votre vie, je ne savais pas. C'est un truc incroyable. Vous avez écrit le livre dont s'est inspiré le fameux film Borsalino. Mmh. Et à la suite de ça, vous avez un jour dans votre vie une menace terrible. On vous menace par téléphone de vous mettre une balle dans la peau, et ça change votre vie. Et c'est une farce. Et c'est en plus, vous apprenez des années après c'est que c'est pas vrai, c'est un canular. J'apprends 7-8 ans plus tard que c'est une énorme farce montée par un connard, il est mort le pauvre, paix à son âme, mais qui m'appelle d'un bistrot, il est corse, et il exagère son accent corse, et il me fait cette menace. Et moi je marche comme un seul homme, alors que quelques jours après, des copains qui viennent jamais vous le dire, savent qu'il s'agit d'une farce. Mais moi, je vis dans ce cauchemar pendant 4-5 ans. Ça vous plonge dans la dépression, cette histoire-là. Et cette histoire me plonge effectivement dans la dépression pendant 5-6 ans. C'est un séisme total, quoi. Ah oui, oui, non, mais ça m'a sûrement beaucoup handicapé dans ma carrière. Jean-Bernard Hébé. Puisque vous ne pratiquez pas la langue de bois et que j'ai parcouru votre bouquin, vous balancez quand même assez sérieusement, alors moi, j'aimerais que vous puissiez me donner... Dans les médias, en sport et en politique, le nom de trois cons. Ça, c'est difficile. Hein. Oui, je sais, il y a le choix, mais justement, allez-y. C'est difficile, alors. Bon, dans les médias, j'en ai un gros con. Oui. Mais je peux pas dire son nom ici. Je connais. Bon. Pour pas me mettre à l'aise. Pour pas mettre mal à l'aise notre ami Ruquier. Alors, Donc, c'est un gros on con. On a fait les médias. Oui. Il faut faire maintenant qui La politique. La politique. Alors la politique, il y en a tellement de gros cons. Oui. Bon, alors là, je ne peux pas les énumérer, il y en a deux, trois, je ne sais pas. On ne va pas en sortir un du lot, hein. Oui, alors non, mais si voilà, tu vas voir, ça va être le sport qui va prendre. Alors, un gros con dans le sport? Dans le sport, il y en a beaucoup, mais enfin, bon... Bon, mais alors, vous ne balancez pas du tout. Pérec, si, Pérec, voilà. Pérec, Marie-Jo Pérec. Marie-Jo Pérec. Mais non, mais si je ne peux pas citer tous les débiles légers, il y en a. Non, mais c'est vrai, il y en a dans le football, il y en a en athlétisme, elle est de quoi. Stevie était à Lyon. On l'a envoyé au stade Gerland pour voir le match Lyon-PSV à Eindhoven. C'est la première fois que vous alliez voir un match de foot. C'était la première fois. Si, j'avais fait Le Mans-Laval, mais bon, c'est... c'était pas à dimension européenne. Comment c'était? Alors, c'était génial. Déjà, je voulais dire que j'adorais ma prof d'histoire-géographie et c'est ce qui m'a fait aimer la géographie. Et j'adore Sacco. Donc j'adore maintenant le football. Il m'a retransmis son espèce de virus en m'expliquant tout, parce que moi je ne savais rien. La Brelle de chez Brelle. Donc vous étiez assis à côté de lui? Alors ça j'étais assis, bah, on va voir les photos, parce que j'ai pris quand même quelques photos. Alors c'est arrivé déjà, on a rendez-vous dans le hall de l'hôtel, et là on va au match en voiture pour 18h30. C'est un danger public sur la route. On se mange le trottoir. En partant, on a buté la voiture de derrière. Un moment, on était dans la voiture, il tourne au dernier moment. Il allait rater le virage, tu sais, comme la Dodoche avec Luc Funès et la Bonne Sœur. Comme ça. Mais il conduit exactement comme la Bonne Sœur. Enfin, génial. Il conduit comme il commente. Voilà, il est prêt. Et j'arrive là, alors là, je commence à avoir peur, moi, parce que je suis pas très foule et puis c'est quand même masculin. J'avais l'impression d'être, tu sais, l'intrus. C'est ça, exactement, j'étais l'intrus. Et puis il m'a mis à l'aise, il m'a dit si t'as des questions à me poser, tu me poses des questions, etc. Donc là, après, on arrive avec quelques tours de passe-passe, j'arrive à monter dans la tribune de presse. Pas facile. Et là, j'étais blotti entre Europe 1 et RTL. Donc j'étais très, très bien. Et là, bah, on voyait les gens qui commençaient à arriver. Alors voilà, j'étais placé là. Et vous allez voir, les supporters étaient déjà arrivés et en fin de compte, bon, ça c'est moi. Il y a des gens, je suis sûr, ils ont été persuadés qu'il y avait un football, une nouvelle recrue à Lyon qui était dans les tribunes. Là, ça a le coup.
Et alors là, le match commence et là, il part dans un... dans un trip, mais ça l'emmène, quoi. Il est comme ça, et oui et non. Et dès qu'il y a un but, alors là, ça... Avec son micro et tout. Vous n'avez pas eu honte, à un moment donné, d'être avec Stevie dans le ça vous a pas gêné? Il a été très discret, je dois dire. Ah oui, il avait les pétoches, hein. Il avait... Non, il n'avait pas trop la pétoche. Un petit peu au début, mais après... Il se planquait un peu. Il vous a emmené après dans les vestiaires, dans les... Dans les vestiaires. Pas quoi encore. Non, pas dans les vestiaires, on était dans la mixed zone. Voilà. Alors, la mixed zone. Alors, la mixed zone. C'est la zone où on peut se mélanger avec les footballeurs, voilà, et les journalistes. Ils ont été sympas avec vous. Tout le monde a été gentil avec moi, franchement. Et maintenant, vous aimez le foot? Eh ben, non, mais j'aimerais... Là, c'était le début du match. J'adore, en fait, mais j'aime bien des tribunes de presse, pas être dans les gradins avec les gens qui font... Mais voilà, quoi, j'ai passé un super moment et je voulais vous dire que maintenant, j'ai regardé le foot rien que pour vous et même pas la télé, à la radio, pour vous avoir. Merci. Édition numéro 1 RTL, les stars de la Ligue des Champions 2005. Ça, c'est pour les amateurs de foot, pour les footeux. Et pour ceux qui aiment la radio, la télévision et le football, voici Je refais le match, Eugène Saccomanno. Merci. Merci. Malgré ses 20 ans de carrière et des millions, oui, des millions de disques vendus, Mylène Farmer reste la star la plus énigmatique de la chanson française. Cette semaine, vous le savez, elle a sorti en grande pompe un nouvel album, mais le mystère plane toujours autour de la personnalité de Mylène Farmer. Qui est-elle? Où vit-elle? Va-t-elle aux toilettes comme tout le monde de temps en temps? On n'en sait rien, même les fans les plus pointus, comme Stevie, ne sont pas en mesure de répondre à des interrogations très pointues sur cette chanteuse qui est passée maître, il faut le dire, dans l'art du secret. En tout cas, ce serait bien qu'elle se montre quand même de temps en temps, Mylène, parce que quand elle ressemblera à Yvette Horner, ce sera trop tard. L'album est déjà sorti. C'est pour nous l'occasion, avant qu'on parle des nouvelles chansons de Mylène Farmer, d'accueillir sur ce plateau celui qui fait sa spécialité des biographies parfois non autorisées. Je crois que c'est le cas de celle-ci. Mylène Farmer, c'est publié chez Fayard. C'est sorti en fin d'année dernière. Vous aurez peut-être déjà reconnu Bernard Violet. Je ne me trompe pas, ça fait partie. Il y a certains artistes que vous avez rencontrés. Alors, c'est pas seulement des artistes. Vous avez fait l'Abbé Pierre, vous avez fait Cousteau à une époque. On se souvient de Cousteau, ça avait fait grand bruit. Il y a eu Johnny. Certains vous les rencontrez, d'autres pas toujours. Est-ce que vous faites toujours la demande quand même avant d'écrire? Oui, ça systématiquement. C'est tout à fait normal de solliciter le héros d'un bouquet. C'est tout à fait normal. Et Mylène Farmer, elle vous a dit non? Ah, elle a hésité un moment, puis finalement, bon, elle est plutôt, d'après ce que je peux savoir, elle est plutôt quand même contente de cet ouvrage. C'est vrai? Oui, oui. C'est sa maman, en revanche, que vous êtes allé interviewer, je sais que ça crée polémique. Grâce à une adresse que Mylène Farmer elle-même avait fournie, sa maman qui, pour la première fois, donc, recevait un journaliste, parce que jusqu'à présent, on lui avait fourni de quelle façon? Écoutez, juste une question. Ce pas des questions que vous posez, mais ce sont des insultes. Donc, je ne répondrai pas à cette question, vous à vos pas, questions. Je vous demande juste pourquoi vous avez question d'Annie. Mais elle fait juste un journaliste, là. Parce que c'est fait déjà à plusieurs reprises. Mylène Farmer vous a fourni l'adresse? J'ai toujours accepté qu'on vous pose des questions. Vous adorez ça, vous posez des questions aux autres. J'accepte tout à fait qu'on vous pose toutes les questions qu'on veut, mais à condition que ça reste à un certain niveau, que ce ne soit pas des coups bas ou des insultes. Non, mais là, ce n'est pas un coup bas. Je vous demande, la spécialité depuis un certain temps. Cette chroniqueuse en question, fustigée. Elle est charmante, Annie Lemoine. Oui, enfin, bon, on va revenir, on va faire l'émission sur l'Olympia, sur Annie Lemoine. C'est tout. C'est vrai que j'ai dit plusieurs reprises que je suis de l'Olympia. Elle a été payée par Christine Ockrent, tu vois. Non, attendez, Bernard, on s'est ressaisi. Tout ce que j'ai à dire, c'est que j'ai rencontré très longuement la maman de Mylène, que c'est très très bien passé, que j'ai travaillé comme je travaille toujours avec mes interlocuteurs en toute loyauté, en toute responsabilité. Bon, ensuite, qu'il y ait des problèmes au sein de la famille Farmer, ce n'est plus mon problème. Sans entrer dans les détails, Stevie, vous vous souvenez quand même du titre de la première chanson de Mylène? Maman a tort. Maman a tort, oui. Voilà, basta.
Donc vous pensez qu'en fait, Mylène Farmer et sa maman ne sont pas en si bons termes que ça, et c'est de là qu'est née la polémique. Elle vous sa maman est charmante. Sa maman est charmante. C'est elle qui vous a demandé d'aller voir sa mère ou Elle m'a fourni l'adresse, effectivement, personnelle. Dites comment, mais dites ça, comment elle vous a fourni l'adresse, Bernard Violet. C'est ça, Bernard Violet, qui est surprenant, parce que Mylène ne dit jamais rien. Elle ne parle pas de sa vie privée. Après, c'est comme d'accord. Mais c'est étonnant pour nous, tant mieux pour vous si elle vous l'a donné. Mais c'est quand même étonnant. Oui, je l'ai lu quand il est sorti, donc il y a un petit moment, j'étais le premier. Vous avez fourni l'adresse parce que vous êtes allé regarder l'adresse de sa société dans le tribunal de commerce, je sais pas quoi. Enfin bon, c'est pas elle qui vous a donné l'adresse de sa mère, certainement pas, Bernard Violet. Bon, Gérard Miller. Non mais je dois dire que je tombe des nues, Bernard Violet, parce que vous faites un métier, si on était péjoratif, ce que je ne serais pas spontanément, qu'on appelle de fouille-merde, si on est plus sympathique, on dit un métier d'investigateur, qui considère qu'à partir du moment où quelqu'un est public, on peut, grosso modo, tout savoir de lui. Vous voyez que j'ai bien lu ce que vous dites. Ça suppose en effet que vous acceptiez, tant soit peu, je vais le dire très simplement, qu'on vous malmène, qu'on vous pose des questions qui effectivement vous titillent, comme vous titillez vous-même vos stars. J'accepte. Or là, je vois quelqu'un qui arrive sur ce plateau comme une sorte de diva qui dit « Oh là là, je ne veux pas d'un tel, je ne veux pas de cette question. » Je ne jouais pas la pouille mouillée qui dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est méchant, on me tape sur les doigts. » Quand les émissions sont pensées en jeu de massacre, quand on est en train d'un traquenard, quand on a affaire des quelquefois des gens de télé incultes et tarés qui sont là que pour faire de l'audience, de la polémique, tout ça. Mais là, c'est pas notre but du tout. Quand vous savez que, quand même, si vous êtes écrivain vous-même, que c'est quand même un bouquin du travail. C'est 2 ans, 3 ans de travail. Bon, se voir massacré par des gens qui n'ont pas lu le bouquin, qui vous disent d'entrer, de toute façon, j'ai pas lu le bouquin parce que je vous aime pas. Il n'y a plus de discussion possible. Vous parlez de quelles émissions ? Parce que là, c'est une des rares émissions où les 6 chroniqueurs ont lu le livre. Vous pouvez balancer des trucs vachards, au moins vous le faites avec talent. Bon. Bon. C'est pas le. Toujours le cas parmi vos chroniqueurs, c'est tout, je le vois aussi. Ah, ça, 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 ça je suis d'accord avec lui. Ouais. Jean-Bernard, il n'y a rien contre Jean-Bernard. Écoutez, non, j'adore, j'aime bien comme animateur. Et... C'est gentil. Donc j'ai lu votre ouvrage, en partie pas in extenso, et puis j'ai essayé de trouver quelque chose qui allait nous en apprendre un petit peu plus sur Mylène Farmer que l'image que l'on a de... Enfin, l'image toujours brouillée par la fumée, mais... l'image de Mylène Farmer que nous avons. Et je m'aperçois que le grand truc que vous sortez, c'est qu'en fait, quand elle était petite, elle a touché un putois qui a fait qu'elle a senti mauvais et qu'après, sa maman l'a lavé dans une baignoire avec du jus de tomate. Est-ce qu'il y a d'autres choses plus passionnantes que ça dans votre livre? Parce que là, je me suis arrêté là. C'est dommage, parce que je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'autres choses intéressantes. Vous la reprochez, cette histoire de putois? Je crois que Gérard Miller va très bien comprendre, parce que effectivement, je suis allé recueillir des informations au Canada, où Mylène Farmer a passé toute son enfance, et je me suis trouvé effectivement avec cette anecdote là, cette fameuse histoire de la moufette psychotique. D'une petite fille effectivement qui s'est fait asperger d'une odeur pestilentielle de putois, qui toute la journée avait subi les colibets de ses petits camarades, oh, Madame elle pue. Bon, et puis effectivement qui le soir venu pour faire enlever toute cette odeur pestilentielle, on l'a plongée dans un bain de jus de tomate, donc visqueux, rouge. Bon, effectivement, j'ai soumis à des psychanalystes qui m'ont dit oui, ça a dû la traumatiser. Et peut-être que c'est même, ils ont avancé le terme très technique de pivot psychotique de son existence. Et je me demandais s'il n'y avait pas, donc à cette époque-là, une influence sur son imaginaire qu'elle a retransposé dans certains de ses clips. Gérard. Du coup, c'est une façon de comprendre les choses. C'est possible ça? Alors, je n'ai aucune idée du traumatisme que cet épisode a pu provoquer chez elle. Mais aucune idée. Et si un psy vous dit qu'il le sait, je peux vous assurer qu'il se fout de vous. Ma question plus sérieuse est la suivante. Est-ce qu'à partir du moment où on fait, entre guillemets, je l'admets, des biographies non autorisées, est-ce qu'on n'est pas en quelque sorte obligé de trouver dans la vie de son personnage des éléments sulfureux qui justifieront qu'on puisse dire le livre qui lève le voile? Aussi bien sur l'abbé Pierre que pour Mylène Farmer, qui sont quand même deux personnages extrêmement différents, vous avez à chaque fois dégoté le petit truc ou les petits trucs qui justifient votre fonction de biographe. Non, autorisé. Est-ce que je me Je dégote parce que d'abord je travaille. Bien c'est entendu. Quand même ahurissant que pas un seul journaliste en 20 ans ne soit rendu au Canada pour enquêter justement sur son enfance. Heureusement, vous êtes là, Bernard Violet, pour relever le niveau de cette profession qui est vraiment. Aucun journaliste ne fait son métier. Donc, qu'est-ce que vous attendez de la part d'un biographe? C'est d'aller chercher, comme le journaliste, l'information, ensuite de la traiter et essayer de trouver des grilles de lecture. Péri Cochin.
Alors, je suis un peu mal à l'aise parce que je voudrais défendre mon amie Annie et j'aime pas qu'elle soit attaquée comme ça. Ensuite, la question que je voulais vous poser. D'abord, vous avez rencontré combien de personnes pour faire ce livre? Pour nous donner un petit peu du condensé. Une cinquantaine, mais en général, elles sont citées, hein, les personnes. Alors, la question c'est, cette femme n'a pas chanté pendant 6 ans. Mmh. C'est son album qui sort là. Elle l'a sorti après 6 ans. 5 ans, 2000. Dernier spectacle, c'est 2000. Au bout de 5 ans, elle ressort un album qui ressemble complètement, à mon avis, à ce qu'elle avait fait avant. Elle ne fait aucune promo. On ne la voit nulle part. Elle refuse de répondre aux journalistes. Elle a fait une conférence de presse, vaguement vite fait, bien fait, pour dire qu'elle a fait son job. Vous avez été cité d'ailleurs. Gentiment. Voilà. Et autrement, elle ne fait aucune... Non, mais attendez, pas gentiment du tout. On lui pose la question. Qu'avez-vous pensé du livre de Bernard Violet vous concernant? Réponse, Bernard qui? Voilà, et elle a rajouté, c'est facile. Elle a rajouté, c'est facile parce qu'elle a fait un mauvais jeu de mots. Ben, elle aurait pu dire des méchancetés. Ah oui. Elle s'est abstenue D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Quand on dit pas de méchanceté de vous, ça veut dire qu'on dit des bonnes choses. Non, mais elle aurait pu. C'était son droit, puisque c'est l'origine de mon bouquin. Pour finir ma question, est-ce que vous ne croyez pas que tout ça est emballé dans un truc de marketing et ça vend des disques et des millions de disques depuis 20 ans et voilà, et c'est tout. Ce n'est pas faux. On a décidé effectivement de jouer sur le secret à la Greta Garbo, vous savez. C'est tout, c'est des stratégies marketing. Stevie. Alors moi, je l'ai lu le livre quand il est sorti. Que dire? Vous êtes un vrai fan. J'adore Mylène Farmer. Je la mets vraiment sur un piédestal. Et puis un jour... j'ai eu la chance de la rencontrer dans un restaurant. Non. Et elle est profondément timide. Et je respecte ça. Mais ce qui me dérange, c'est que vous ne respectez pas ce que... Elle est très timide. Elle est juste là parce qu'elle aime son métier. Elle ne veut pas faire la guignole dans les émissions, répondre aux journalistes, parce que déjà, un n'en a pas besoin. Parce que... Et c'est comme ça qu'elle a créé son mythe, parce que cette femme est un mythe vivant. C'est qu'en ne donnant rien, les gens s'intéressent encore plus, parce que les gens sont par nature vicieux et curieux. Et comme elle ne donne rien, c'est ce qui attire, c'est ça qui la met sur un piédestal, parce qu'on ignore absolument toute cette femme. Et c'est ça qui me dérange dans la biographie. Il y a une chose sur laquelle... C'est que vous en dites trop, vous respectez pas, oui, en fait... Avec bienveillance, avec bienveillance. L'intimité, je reconnais, et je prouve comment elle était timide. Je veux dire, je reconnais d'autres qualités. Comment elle était pugnace, comment elle a galéré quand même au début de sa carrière, ça n'a pas été évident. Et que, bon, au niveau de l'écriture, elle a apporté des choses tout à fait nouvelles. Elle est quand même, on peut la considérer comme une des rares, c'est-à-dire surdouée de sa génération. C'est quand même une biographie globalement positive et tout à l'honneur. Il y a tout de A à Z. Une seule chose à laquelle, effectivement, je n'interviens pas, c'est sa vie privée, parce qu'elle ne le souhaite pas. Valérie Mérès. Oui, en général, moi, j'aime les biographies, encore plus quand c'est des biographies de femmes. Mais moi, il se trouve que je suis une chroniqueuse inculte, vous inquiétez pas. Mais moi, je ne vous aime pas beaucoup, Monsieur Violet. Je pense que si vous étiez un animal, vous seriez un vautour. Et donc, ça me gêne beaucoup qu'on fasse des biographies sur des gens qui ne souhaitent pas qu'on fasse leur biographie. Alors maintenant, vous me direz que ça arrange peut-être Mylène qu'on ait fait cette biographie. On parle d'elle encore plus et c'est pas elle qui a parlé. Donc, c'est peut-être très bien. Mais moi, ça me gêne. Ça ne m'intéresse pas de savoir ça. Quand on aime Mylène Farmer, ce qu'on aime, c'est ses chansons, c'est le personnage. C'est justement ce fameux mystère à la Greta Garbo qu'elle a choisi. Et de savoir qu'elle a trempé dans de la sauce tomate. Mais j'en ai rien à foutre, quoi. C'est votre droit d'écouter, de ne pas aimer les biographies. C'est votre droit de n'aimer que la création artistique de Farmer. Bon, il y a d'autres... Mais pas que les fans, Farmer. Les artistes, c'est les artistes. Des dizaines de milliers de fans qui ont acheté le bouquin, qui sont très heureux. Quelques extraits, oui. Quelques extraits. Bon, écoutez, on va vous remercier d'être venu sur ce plateau. Nous, on va continuer à parler de cet album. Mais voici pour ceux que ça intéresse, en tout cas. Mylène Farmer chez Fayard, c'est signé Bernard Violet. Merci beaucoup. Annie Oman, vous restez. L'album, alors, Jean-Bernard. On regarde d'abord, parce qu'on parle de Mylène, Regardons cette chanson qui fait un carton actuellement, un extrait de Fuck Them All, et après, vous nous donnez votre avis. Alors Jean-Bernard, le nouveau Mylène Farmer, l'album s'appelle Avant que l'ombre. Alors,
il y a quand même beaucoup de choses. Vous voyez, par exemple, l'album, quand on l'ouvre, il a la forme d'une croix. Autour du cou, elle a une croix qui est faite avec des allumettes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de falbala dans son univers. Il y a beaucoup de fumée, il y a les cheveux rouges. Elle reprend toujours les mêmes thèmes. Et quand on lit les textes, je dois être particulièrement inculte et imbécile, mais c'est vrai que j'ai pas compris grand-chose. Mais dans cet album, j'ai trouvé qu'elle chantait merveilleusement bien, que c'était très bien orchestré, c'est un formidable album. Il y a vraiment 12 ou 14 ou 18 titres, je sais pas combien. Et tout est bien. Elle, elle est évidemment hyper sexy, elle a posé pour Dominique Iserman, les jambes en l'air, de dos, la poitrine, elle est formidable. Je ne sais pas si je ne vais pas devenir gay bientôt. Avant que l'ombre. D'autres albums sortis. Moi d'abord, alors là, c'est les Wiggles. On les connaît un peu plus sur scène qu'en album, mais il y a maintenant un album et même un DVD de leur spectacle à la Cigale. On regarde d'abord un extrait de la chanson du moment Ma philosophie. Rien à voir avec Amel Bent. Enfin, rien à voir. Regardez. J'ai vendu mon âme en promo. Le spam, c'est la Bible en quatre mots. Souris, bonjour, au revoir, merci. Je cède ma vie à moitié prix pendant que je fais glisser les slips. Sous les bips, je rêve à mon clip. À l'apogée de ma carrière, j'oublierai l'enfer du reflet. Les Wiggles, qui viennent de faire le zénith, hein, quand même. Ah ben, ne sont pas les frères Jacques qui veulent, hein. C'est le degré zéro de tout pour moi. Ils font un triomphe, tout le monde trouve ça génial. Mais attendez, c'est votre avis, j'ai le droit de le donner, ils vont peut-être rentrer après, je leur répéterai exactement la même chose. Je trouve que c'est le degré zéro de tout. C'est ce que vous pourriez imaginer de pire si vous ameniez une bande de copains chanter à l'anniversaire de Gérard Miller comme chef de section de la CGT. C'est une catastrophe. Ça, ils sont vilains, ils chantent mal, ils jouent mal, mais c'est un énorme succès. Je déteste ça. Voilà. Gérard. Alors, écoutez, je trouve ça absolument formidable. Stevie. Moi, je suis mitigé. Ouais, je suis pas fan de ce genre de musique. Non. Annie Lemoine. Musicalement, c'est pas du tout ma tasse de thé, moi. Valérie. Moi, je trouve ça très gay. Moi, j'adhère. Ferry Cochin. Alors, le côté QI, je suis complètement d'accord. J'ai entendu ce matin pour la première fois. Je ne connaissais pas du tout. Et en 30 secondes simplement, j'ai dit oh, j'adore ce truc. Je vais t'offrir la collection complète de Bobby Lapointe, tu sauras ce que c'est que le talent. Arrête, t'es de mauvaise foi. Mais bien sûr que je suis de mauvaise foi. Tu fais partie des vieux cons, quand c'est neuf, tu critiques parce qu'avant il y avait mieux. Mais ça, c'est neuf. Attends, on passe à Maria Carré. Nouvel album. The Emancipation of Mimi. L'émancipation de Mimi, hein, ça s'appelle. It's Like That, c'est le premier single qu'on regarde. Bon, alors, le clip, vous l'avez compris, c'est tendance partout chic. Elle a 8 octaves, elle chante très très bien. On se croirait dans une voiture décapotable à Los Angeles avec le coffre plein et la tête vide. C'est formidable. Stevie. Moi, je suis content. Non, je suis content de la retrouver. Annie. Moi, j'aime beaucoup. Perry. J'aime beaucoup la chanson, elle donne envie de danser, mais la fille m'exaspère, donc... Bon, voilà, Maria Carré, The Emancipation of Mimi. Vous êtes mouillé aujourd'hui, Jean-Bernard. Hein? Mais je me suis toujours mouillé, j'ai toujours mouillé, j'ai toujours dit ce que j'aimais. En plus, sur les rigoles, c'était gonflé, parce que quand même, ils sont quand même 5 dans ce groupe. Et imaginez qu'ils aient été en coulisses avec ce que vous avez balancé sur eux, mais ils pouvaient vous péter la gueule. Mais ça ne me gêne pas. On va d'ailleurs les appeler, voici les Wiggles. Voilà. Heureusement, vous avez de la chance. Ils sont venus qu'à trois. Ils en ont pris. Il y en a deux qui se sont tirés quand ils vous ont écouté, je vais vous dire. Mais non, on adore qu'on nous déteste. C'est vrai, heureusement, c'est pas le cas de tout le monde sur le plateau. Jean-Bernard, vous avez été particulièrement violent. Mais je n'aime pas ça. On peut pas me forcer à tout aimer. C'est pas parce que ça marche que je dois trouver ça bien. Calmez-vous, on va pas vous forcer, monsieur. Mais je ne me force pas, vous avez vu, je ne me force pas du tout. Je n'aime pas ils ça. Ils ont là, depuis maintenant quelques mois, peut-être une année, on va dire, une vraie ascension dans la presse, mais.
Moi, je l'ai connu, je l'ai croisé. Il y a un moment où il ramait et où il démarrait. Il n'y avait que lui qui parlait de nous. Franchement, je peux vous dire que ça n'a pas toujours été le cas. D'accord, mais et que tout le monde ne les connaît pas encore et que c'est l'occasion ce soir, peut-être. Avant que ce soit la presse qui parle, c'est d'abord. Voilà, nous, ça fait 10 ans qu'on est dans un réseau et qu'il y a un public qui vient sur un bouche à oreille. Et voilà, au bout d'un moment, quand il y a beaucoup de monde dans nos spectacles, la presse fait « Ah tiens, peut-être qu'on peut faire un papier sur... » Je vais juste vous poser une question. Est-ce que vous m'autorisez à ne pas aimer votre musique ? Avec plaisir. C'est tout ce que je demande. Non, non, t'as dit qu'ils étaient moches. Ils sont pas moches, en plus. Est-ce que vous nous autorisez à répondre aussi ? Oh là là, allez-y. Alors, je voulais que je fasse « Vieux con ». Non, c'est pas du tout. Je pense pas du tout qu'on a envie de rentrer dans un jeu d'agressivité. Moi, je comprends très bien. Enfin, on comprend très bien que les gens apprécient pas ce qu'on fait. Je pense que ça va pour n'importe quel artiste. Ça va pour votre émission aussi. Je pense que les gens la regardent, qui vous apprécient. D'autres. Je pense parmi les chroniqueurs, il y en a que on doit avoir ses préférés, ceux qu'on aime, ceux qu'on n'aime pas. Donc ça, évidemment, c'est vrai, quand on fait ce genre de métier, on part pas dans ce métier en disant on veut plaire à tout le monde. Heureusement pour nous, on n'a jamais fait ce métier en disant qu'on allait plaire à tout le monde, ni qu'on allait devenir. Ne parlez pas à ceux qui sont assis là-bas, parlez de ce côté-là. Par contre, c'est vrai que ce qui est très étrange, c'est d'un seul coup dire qu'on colle au talon ou qu'on nous voit partout, parce que c'est vrai que globalement, c'est quasiment la première fois qu'on débarque dans une télévision, on est tous un petit peu impressionnés par le fait d'être là. Je pense qu'on est un groupe qui est avant tout, on a fait nos preuves sur scène. Maintenant, c'est vrai que comme il y a un public qui suit, on a des retours un petit peu, la presse effectivement suit un petit peu, et maintenant on nous renvoie l'image d'un groupe ultra médiatique, donc c'est vraiment très impressionnant. Ça nous fait vraiment bizarre d'arriver en disant on en parle des Riggles partout. À ce point, je les avais un poil perdu de vue, pour tout dire, et que c'est un peu par hasard, j'ai vu que vous faisiez le Zénith, et je me suis dit, mais ils en sont au Zénith, et donc j'ai pas suivi la progression. C'est le moment où t'as réussi. Ça c'est dingue alors. Je me suis dit, mais ça y est, ils sont au Zénith quand même, c'est incroyable. C'est vrai que c'est agréable, on y était. Et le nom de votre groupe, c'est quoi ? Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'on s'est appelé, en fait. On a décidé de s'appeler. Nous aussi, on a tout essayé. On avait essayé les Bungles, mais c'était des filles. Et les Beatles, mais ça était déjà pris. Donc on a choisi les Vriggles. Bah écoutez, en tout cas, voilà. Ravi que vous soyez enfin venu sur ce plateau. Bravo, Vriggles. Nous allons maintenant accueillir Catherine Fraud et André Dussolier, que vous pourrez retrouver tous les deux à l'écran dès mercredi prochain dans « Mon petit doigt m'a dit », un film réalisé par Pascal Thomas d'après un roman d'Agatha Christie. « Mon petit doigt m'a dit », c'est donc une intrigue policière, évidemment, puisque c'est signé Agatha Christie, avec Catherine Fraud et André Dussolier, qui y interprètent Prudence et Belisaire Beresford, un couple de héros créé par la célèbre romancière. Pour tester ensemble ce film, « Mon petit doigt m'a dit », accueillons donc tout de suite André Dussolier et Catherine Fraud. Quel accueil, bonsoir. Bonsoir. Je vous en prie. Vous passez. Vous êtes toute mince. Valise. Un nouveau film signé Pascal Thomas, réalisateur qu'on aime bien, qui vous avait fait tourner, vous, Catherine, dans La Dilettante. André Dussolier, vous aviez tourné avec lui ? Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Et là, il s'attaque à Agatha Christie. Est-ce que le titre du roman, c'était « Mon petit doigt m'a dit » ? Oui, absolument. En anglais, ça donne ?« By the pricking of my thumbs ». Enfin, c'est le début d'un... Vous n'avez pas me donné des cours ? Ah non, ça ne veut pas dire ça, d'ailleurs, mon frère. Ça, c'est un petit bout des sorcières de Macbeth, et c'est inspiré de là, le titre. Bande-annonce de « Mon petit doigt m'a dit ». J'ai une femme formidable. Elle est, comment vous dire, curieuse, inventive. Ah ! Du sang. Intuitive. C'est du vin suisse. Ce qu'elle aime le plus, c'est le mystère. J'aime ça, fouiller dans les affaires des morts. Les crimes. C'est pas du tout gentil qui patelin sans histoire. Il y a eu des meurtres d'enfants dans la région. Les empoisonnements. Elle est morte, brusquement, d'un arrêt du cœur. Les disparitions. Évangélista, vous dites ? Rose Évangélista. Madame Rose Évangélista. Rose Évangélista. Et les voyages en train. Excusez-moi, vous pourriez attirer votre attention. Oui, bien sûr. D'ailleurs, comment a-t-elle commencé cette histoire ? Mon subconscient essaie de m'envoyer un message. Que je n'aime pas ça.
Alors vous voilà en couple pour la première fois au cinéma tous les deux. Oui. C'est un beau couple, vous formez un beau couple. Ah merci. C'est agréable en tout cas dans ce film qui est un couple plein d'appétit, qui n'est pas du tout le couple conventionnel, qui a envie de vivre sa vie, qui délaisse même ses enfants et ses petits-enfants, qui voilà. Et qui mène donc, en tout cas particulièrement vous au départ, une enquête. Il faut dire que le début du film nous ramène à la canicule de l'été 2003. Oui, c'est ça. Il a gardé l'intrigue d'Agatha Christie, il en a gardé l'esprit aussi, mais en fait, il s'est inspiré de... Ça se passe aujourd'hui, hein, ça se passe pas à l'époque d'Agatha Christie, et ça se passe en France. Et puis, en même temps, il s'est servi de quelques événements, en effet. Il s'amuse. Il y a quand même beaucoup du Pascal Thomas dans cette Agatha Christie-là. Gérard Miller l'a vu, ce film. C'est très réussi parce que le couple est très réussi. Je dois dire que la bonne idée, c'est de voir Madame Fraud dans ce rôle de détective en jupon, avec un mari qui essaye de l'aider, un peu dépassé par les événements. Donc, il y a vraiment un ton très original. C'est à la fois policier, c'est à la fois drôle, parfois cocasse, peut-être parfois même trop. Mais voilà, c'est du cinéma authentique parce qu'original. Et c'est vrai que jusqu'à la fin, on se demande quelle est la solution. Je la connais, je ne la dirai pas. Alors, dites-moi, on a trouvé un mot. Vous avez trouvé un mot qui n'est pas forcément péjoratif, elle dit même légèrement désuet. C'est vrai, une petite réserve sur l'esprit du film qui est un peu désuet, un peu suranné, mais comme pourrait l'être probablement un roman d'Agatha Christie si je le relisais aujourd'hui, parce que je m'en suis gavée dans mon adolescence. Donc je pense qu'on retrouve l'esprit fidèle des romans d'Agatha Christie. Perry Cochin, on vous a tenté sur ce film? Ah oui, surtout sur l'histoire de couple, moi j'adore, je suis tout à fait pour, ça fait 20 ans que je suis avec le même homme. À propos de couple et d'histoire un petit peu personnelle, j'avais envie de vous poser une question. C'est pas du tout pour faire du ragotage, mais alors franchement, hein, je vous assure. Oh, ça commence bien. Avec un préambule pareil, ils sont tous les deux terrorisés. J'ai appris hier que vous aviez eu une aventure avec Isabelle Adjani dans le passé. C'est à moi que vous... C'est à vous. Et sans une inquiétude. Vous voulez nous brouiller déjà, quand même. Et là, Catherine Fraud s'en va. Tu ne me l'avais pas dit, ça. Il y a très longtemps. Et oui. Je ne savais pas il y a combien de temps. Mais en tout cas, il y a longtemps, vous avez eu une aventure avec Isabelle Adjani et personne ne l'a su. Aujourd'hui, Isabelle Adjani est avec un chirurgien qui n'est pas connu et tout le monde le sait, la presse s'est jetée dessus. Est-ce que vous croyez que c'est vous, les artistes, qui avez changé ou est-ce que c'est la presse qui a changé aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne pense pas que la presse a changé. Peut-être qu'il y a une surenchère aujourd'hui. En effet, il n'y a qu'à voir... La mort du pape à qui on reprochait de ne pas mourir assez vite, finalement. Il y avait une sorte de folie comme ça, médiatique, mais qui est devenue de plus en plus grande. Mais non, c'est un choix personnel aussi de ne pas vouloir parler des choses et de préserver ce côté privé. C'est ça, oui. Regardez la discrétion de Catherine Fraud, parce que votre liaison avec Alain Delon il y a quelques années, personne n'a été au courant non plus, non? Jean-Bernard Hébert, un mot. Ben, vous assistez à un coup de foudre. En fait, une Fraud peut en cacher une autre. Elle avait pour moi une image un petit peu de bobonne. Vous étiez très bobonne, vous aviez des rôles de bobonne. Ça. T'attaques fort, hein, pour un mec qui drague. Mais non, mais c'est exactement le contraire. Et je m'aperçois qu'elle est absolument superbe, qu'elle irradie, qu'elle est belle comme un cygne. Et je suis tombé sous le charme, donc j'ai mis cette rose. Si elle est belle comme un cygne, ça tombe bien, c'est le moment de lui jeter un vieux crouton. Voilà. Mais non. Combien de semaines de tournage pour Mon petit doigt m'a dit ? 8 semaines. 8 semaines. Est-ce qu'en 8 semaines, vous avez eu le temps de faire connaissance, de mieux vous appréhender ? À travers les personnages, mais on n'a pas tellement de temps avec Pascal Thomas, parce que c'est quelqu'un qui travaille, qui improvise, qui refait. Donc vous ne connaissez pas si bien que ça. Pas tant que ça, on a besoin d'autres films encore. On va vérifier. Stevie a pris quelques déclarations concernant l'un et l'autre. Ne regardez pas les réponses. Et il va vous interroger l'un et l'autre, mais... sur l'autre. Alors, c'est-à-dire que celui que ça concerne ne souffle pas. Hein. C'est parti. Voilà. Eh ben, on va commencer avec Catherine Fraud. Sœur André Dussollier, donc. André Dussollier a fait dans sa jeunesse de la figuration télévisée dans Chef-d'œuvre en péril, Dim Dam Dom, les premiers films érotiques. Au moins 20 ans de vie commune pour répondre à des questions comme ça. Alors, Catherine, à votre avis? Bah, je sais pas, au pif. Dim Dam Dom. Bravo. C'est ça. Alors, André Dussollier avait beaucoup étonné Truffaut. Après avoir tourné une scène, il continuait à répéter, il courait appeler ses parents, il faisait des pompes. Faisait des pompes. Pourquoi veux-tu vous en rappeler? Je sais pas. Oui, je continue à répéter. Exact. Mais courait appeler ses parents, ça aurait été drôle. Catherine Fraud.
Fille de prof de maths, elle voulait être clown. Fille de clown, elle voulait être juriste. Fille de juriste, elle voulait être prof de maths. Fille de prof de maths. Elle voulait être clown. Elle voulait être clown. Bonne réponse. Catherine Froh se compare à un Picasso. Quel est son argument ? Plus le temps passe, plus elle vaut cher. Elle peint, elle sculpte, elle dessine. Elle a le nez d'un côté, les yeux de l'autre. Bah alors peut-être, mais alors ça je ne savais pas. Elle peint, elle sculpte, elle dessine ? Non, c'est le nez d'un côté et ah deux bon, yeux de l'autre. Ça se voit pas. Mon petit doigt m'a dit. Je ne sais pas d'où ça vient d'ailleurs cette expression, mon petit doigt m'a dit. C'est vrai que quand on est gosse, les ouais, parents. On se gratte l'oreille. Ah, c'est ça ? C'est quand on se gratte l'oreille. Ah oui, oui. Et moi j'ai une oreillette qui me dit d'ailleurs qu'il est l'heure de passer au kick à déconner. Nous commençons par une proposition. C'est le ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy. Pourquoi lui aujourd'hui ? Parce que Philippe Douste-Blazy est un homme heureux. Il annonce un déficit de 12 milliards d'euros pour la sécurité sociale. Mais pourquoi il est heureux ? Parce qu'on avait prévu 14 milliards d'euros. 12 milliards d'euros, c'est pas beaucoup. Alors il est tout content. En même temps, c'est quand même le record du déficit de la sécurité sociale. Mais comme c'est 2 milliards d'euros en moins que prévu, ça le satisfait. 0, 10, 20 ou 30 points pour ce bonheur quand même un peu factice. Bah, non, pas du tout, il a raison. Il n'est pas responsable de tout le déficit. Déjà, lui, il trouve que 2 en moins, c'est pas mal. Oui, mais il dit c'est grâce à moi. Mais oui, mais en plus, il dit que c'est une bonne surprise, donc il est gai. 0 point. Alors, 0 point également, parce que quand on le compare au précédent ministre de la Santé, à vous de savoir si je mets un pluriel ou pas au précédent ministre de la Santé, je trouve qu'il est vraiment mieux. Valérie Mérès. Bon, moi, je mettais 20 points parce que je ne savais pas trop quoi dire. Jean-Bernard. Rien, tout simple. 0, parce que c'est vrai que 12, c'est moins que 14, et s'il peut continuer, c'est bien. Annie Lemoine. 30. Pour un ensemble de choses, là, effectivement, moi, je suis d'accord avec vous. C'est peut-être presque de mauvais goût. Il n'y a pas de quoi se réjouir. Voilà. Et puis j'ai reçu ce matin l'imprimé qui m'oblige à choisir un médecin traitant et je trouve que c'est une restriction des libertés. Stevie. Moi, je mets 20 points. Je l'aime bien, c'est le seul qui m'a dit bonjour l'autre jour. André Dussonnier, Catherine Froh, combien ? Bon, on lui a mis 10 points. Bah, oui. Ça va peine de tirer sur une ambulance de la sécu. Surtout pour un ministre de la Santé, voilà. Ça fait un total pour Philippe Douste-Blazy de 80 points. Grace Jones, elle a été expulsée de l'Eurostar, Grace Jones. Pourquoi ? Parce qu'elle a refusé de payer une majoration. Elle s'était installée en classe premium, qui est la classe supérieure, alors qu'elle déjà était, elle avait quand même un billet de première. Et on lui a dit, bah, si vous voulez rester en classe premium, qui est au-dessus de la classe première encore, il faut payer un supplément. Elle ne voulait pas payer. I am Grace Jones. Et ils lui ont dit, dehors, et ils l'ont fait descendre. Heureusement que ce n'était pas dans le tunnel sous la Manche. Ils l'ont quand même fait descendre à une station normale. Mais quand même, peut-être qu'elle a cru qu'elle était encore une star, Grace Jones. C'est ce que j'allais dire, ça fait longtemps qu'elle ne défraie plus la chronique, il faut qu'elle s'en remette toujours. 30 points. Gérard. Les trains anglais fonctionnant tellement mal, vive la SNCF, elle a eu raison de descendre. 0 points. C'est n'importe quoi, c'est pas un train pas anglais, c'est l'Eurostar. C'est pas un train anglais. Attends, alors je vais changer. Je lui mets 30 points, car l'Eurostar marche parfaitement bien alors qu'elle aurait dû descendre d'un train anglais. Vive la SNCF, parce que les trains anglais, qui sont privatisés, ne fonctionnent pas bien. 30 points. Moi, je lui mets 20 points, parce que peut-être que la contrôleuse n'a pas été très aimable pour lui dire. Et ça, c'est énervant quand vous avez quelqu'un qui vous fait une reproche. Alors que... Oui, excuse-moi, je voudrais très gentiment te dire, vraiment c'est un reproche très gentil, que le mot reproche est au masculin, excuse-moi de te le dire. J'aimerais un truc, c'est que tu me fasses pas passer pour une conne devant Dussolier, merci. Jean-Bernard. Moi je voulais la féliciter parce que non seulement elle a pas payé dans le train, mais en plus elle a dû sauter le portillon. Annie. Moi je me rallie à l'avis féminin de Valérie, je crois que c'est une histoire entre nanas. Stevie. Moi je mets 0 point. Est-ce que c'est le genre de star comme ça, Grace Jones, tu vois, la Toya Jackson, Maria Carey, Whitney Houston, elles font des caprices et des caprices, mais voilà. 0 point, vous aussi 0 point pour Grace. On n'est pas d'accord, hein. Ouais, moi personnellement, j'aurais mis 0 point parce que c'est un souvenir de mon adolescence, son image, sa silhouette, tout,
Je sais pas, ça m'a plu, moi. J'ai un grand souvenir d'elle. Elle a un côté TGV, d'ailleurs. Mon jumet 30, ça manque de grâce, un peu, quand même. Ah. Je défends la contrôleuse, voilà. Il défend la contrôleuse, André Dussolier. Bah, on donne la moyenne, alors 30 divisé par 2, ça fait 15, voilà. Un total de 15 en plus pour Grace Jones. Oh, voilà, 105 points. Mon petit doigt m'a dit que le film avec Catherine Fro et André Dussolier sortirait mercredi prochain. C'est un film de Pascal Thomas. Courez-y, vous aurez plaisir à retrouver un couple de comédiens qu'on adore. Merci Catherine Fro et André Dussolier. À demain.